Tu n'as presque pas dormi, tout ça pour étudier. C'est normal, la biologie moléculaire est très complexe, papa. Mais c'est mon truc, je ne changerai d'études pour rien au monde. Oh, c'est bien, tu es très enthousiaste. C'est que je suis en train d'élaborer un projet, maman, que j'ai déjà envie de commencer. Oh, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est incroyable, ma chérie, tu vas être la première scientifique de notre famille. Alors ça, on a de la chance. Et toi, Eric, tu vas faire quoi comme études? Eh bien, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai raté mes examens. Encore une fois? C'était le dernier trimestre, mon chéri. Je sais bien, mais je suis juste pas doué pour les études, et puis j'y arrive pas. Comment ça, tu n'y arrives pas? Tu n'as juste pas assez essayé? Non, c'est juste que je suis pas aussi intelligent que Renata. Je crois que c'est elle qui a eu le plus de chance niveau cérébral. Oh. Ou alors, vous m'avez adopté, moi, je sais pas. Non, c'est ça. Ne dis pas de bêtises, ne fais pas l'idiot. Eric, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'aider à avoir de meilleurs résultats, d'accord? Dans les familles, les frères et sœurs sont censés être élevés dans le même environnement et avec les mêmes valeurs. Mais il y en a toujours un qui se démarque comme étant différent ou qui ne ressemble absolument pas au reste de sa famille. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui t'a pris de venir dans cet endroit mal famé, hein? T'es presque nul en plus! Maman, s'il te plaît, calme-toi! C'est vrai, maman, calme-toi, laisse-moi t'expliquer! M'explique-moi! Qu'est-ce que tu dois m'expliquer, hein? Alors c'était ça ton fameux travail, hein? Le beau gosse! On va sortir tout de suite de cet endroit! Je t'en prie, maman, fais pas ça! Taisez-vous! Arrêtez! Et maintenant, attends une minute! Je peux pas sortir dans la rue comme ça, enfin! Maman! Il fallait y penser avant de venir ici et de t'exhiber comme ça! Tu vas pas le laisser sortir comme ça! C'est ça, laisse-moi! Vois ce qui te regarde, je l'emmène! Maman, attends, je... Maman, ça, ne me fais pas mal! Maman, s'il te plaît! Excusez-nous. Ah, ne t'arrête surtout pas. Allez. Arrête, c'est bon. Maman, excusez-nous, mesdames, messieurs. Maman, je t'en prie, calme-toi. S'il te plaît, maman, calme-toi. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Tu vas le rendre malade, maman, s'il te plaît. Pourquoi tu n'es pas habillée? Enfin, tu es en caleçon. Oh, Camilo, tu ne vois pas ce qui se passe. Ton fils travaille ici en se déshabillant dans un endroit avec plein de femmes, en se traitant comme un animal. J'ai compris. Mais tu te rends compte de ce que tu fais ou quoi? Allez, on s'en va. Maman, calme-toi, il n'a rien fait de mal. Tu vas lui arracher les cheveux. J'espère que Gemma va accepter notre proposition et va venir nous aider. Tu ferais mieux de prier pour que Rodrigo ne le découvre pas, parce que s'il apprend que nous l'avons fait venir pour lui remonter le moral, il va devenir complètement fou. Il n'aimera pas ça, peu importe à quel point il apprécie cette fille. Mais pas si vite. Oh. Pourquoi vous vous disputez? Maman veut que je lui trouve un travail en ligne. Ok, laisse tomber, je vais aider maman. Ah ouais, merci. Pourquoi tu demandes de l'aide à Oliver? Tu sais bien comment il est. Ton frère a ses défauts, c'est vrai. Mais au moins, c'est le seul qui ne m'a pas causé de problème. J'ai compris ton insinuation. Enfin, bref. C'est rien comparé à ce que ta sœur a fait. Si ça ne tenait qu'à moi, je la déshériterais. Si j'avais de quoi laisser un héritage, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle est punie, et ce, jusqu'à la fin des temps. Attends, mais elle a commis un crime ou quoi? Du jour au lendemain, elle a oublié toutes les valeurs et tout le respect que je lui ai inculqué. Elle a volé, tu imagines un peu? Comment ça? Tu as l'air triste, mon amour. C'est à cause de Javier. Il nous quitte à nouveau. Et qui sait quand il reviendra? Oui, mais tu sais à quel point il est instable.
Mais tu l'as vu, tu lui as parlé? J'ai pu aller le voir, oui. Récemment, il m'a demandé de lui apporter des photos de l'époque où j'étais enceinte de lui. Et des photos de lui petit. Tu ne peux pas imaginer. Tous les souvenirs de sa naissance me sont revenus en tête. On avait pourtant convenu qu'on essaierait d'oublier ses souvenirs. Je me sens coupable. Je sens que Javier a toujours des problèmes avec ses addictions. Ma chérie, toi et moi lui avons inculqué des valeurs. Et tout le reste n'était que le fruit de ses propres décisions. De notre côté, on ne peut plus faire grand-chose. C'est peut-être de ma faute. J'aurais dû être plus attentive. Et puis l'écouter, croire en lui. Attends une minute. Quand il t'a dit qu'il n'était pas un drogué, tu penses que tu aurais dû croire en lui à ce moment? S'il te plaît. Ou bien alors lorsqu'il a renversé cette pauvre femme en voiture. Et tu sais quel est le pire? Il est persuadé que j'ai orchestré tout ça dans le but de l'éloigner de nous. Oh, mon garçon. Je te le répète. Toi et moi ne pouvons rien faire de plus pour Javier. Nous devons le laisser vivre sa vie. Il y a un problème? J'en suis sûr, c'est le roi de la pharmacie. C'est le roi de la pharmacie. Le roi de la pharmacie. Regarde. Gardez la monnaie. Merci. Hey, le roi de la pharmacie, tu vas où? Dépêche-toi, mais lâche-moi, tu vas marcher. J'en ai rien à faire que tu sois chauve. C'est vraiment dégoûtant, imbécile. Calmez-vous. Bon, vrai, ça. On va t'écouter. Allez, vas-y, dis-nous comment. Comment tu t'es retrouvé à travailler en étant dénudé? C'est là que tu as rencontré cette femme, c'est ça? Quelle dame? Qu'est-ce que tu parles, maman? Oh, tu sais, cette femme. Pourquoi vous êtes allé au club? Comment ça, pourquoi? Ta mère voulait voir dans quel endroit travaillait son petit garçon chéri. Son précieux petit. Et d'où est-ce que tu sortais tout cet argent? Pourquoi tu voulais savoir ça, maman? Je t'ai dit de me faire confiance. C'est parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de louche derrière. Doucement, doucement. Eric, dis-nous la vérité. Pourquoi as-tu décidé de travailler là-bas? Est-ce que tu avais besoin de plus d'argent pour payer la formation d'entraîneur sportif? Alors parle, t'as perdu ta langue ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la salle de sport? Quoi? Tu ne travailles plus là-bas? Réponds-moi. Dis-moi. Parle-moi. La vérité, c'est que ça fait longtemps que je suis plus entraîneur. Tu ne l'as pas dit. Ben alors, mais c'est pas vrai, j'existe ou quoi? Pourquoi est-ce que tu m'as menti matins, hein? Alors que je passe ma vie tu à te semblant ou quoi? Après ce que ta sœur a fait, j'ai l'impression qu'elle n'est plus ma fille. Détends-toi. Peut-être que le seul problème que tu as avec Dana, c'est que vous ne vous comprenez pas. Et la seule chose que vous devriez essayer de faire, c'est d'avoir une meilleure communication. Je ne sais pas encore quoi faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ta sœur va aller se coucher en étant privée de repas. Maman, on n'est plus au XVIIIe siècle. Ta punition est un peu cruelle. Oh, ça va. S'il te plaît. Ne retourne pas ça contre moi. Ce n'est pas parce qu'on a fait une trêve que ça veut dire qu'on ne peut pas être à nouveau en froid. Et je pense avoir été plus que tolérante envers ta... Enfin, tu sais ce que je veux dire. Maman, je vais te dire la vérité. Sur mon orientation sexuelle. Oh, non. Non. Non, vraiment, fiston, je l'ai entendu une fois et ça me suffit amplement. Alors n'en rajoute pas. Maman, je pense que tu devrais revoir un peu les opinions que tu as et dont tu te vantes tant. Parce qu'elles ne vont pas avec notre époque. Ah, donc je suis vieux jeu? Ça a toqué. Va ouvrir. Ouais, j'ai bien entendu. Bonsoir. Ah. Est-ce que je dérange? Eh bien, avec ma mère, on ne sait jamais vraiment si on dérange ou pas. Ah. Est-ce un bon moment pour les visites? Ah non, c'est bon, c'est bon. Bonsoir, Marie-Louise. Entre, je t'en prie. Ne restez pas sur le pas de la porte. Je vous ai apporté des que j'ai fait moi-même. Ah, oh, c'est vrai? Oui, je les ai fait au four. Oh, comme ça sent. Ah, ils ont l'air excellents. Ils iraient parfaitement bien avec le café. Tu veux pas rester pour dîner? Non? Oh, si, bien sûr. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Merci. Tu veux du café? Oui, c'est ta tasse? Ouais. Ok. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la dame de la salle de sport est poursuivie en justice. C'est très grave. Ne t'inquiète pas, Renata. Ils ont voulu m'arnaquer, mais j'ai tout arrangé. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Si tu as commencé à faire du striptease pour résoudre tes problèmes, tous ensemble, on aurait pu t'aider pour que tu n'aies pas à faire ce job. Je n'avais pas l'intention de faire ce travail, mais ça s'est fait comme ça, c'est tout. C'est ça, oui, ça s'est fait comme ça. Comment est-ce que tu peux gagner ta vie? En te trémoussant le... C'est impossible, j'arrive même pas à le dire. Je ne veux pas être mal poli, mais je n'ai jamais autant mieux gagné ma vie qu'en faisant ce métier.
C'est de l'argent bien mérité. Je ne l'ai volé à personne. Je n'ai arnaqué personne. Oh, ne te moque pas de nous, hein. Je sais que cette femme, Minerva, t'a donné de l'argent. Parce qu'elle est à... Ah, comment on appelle ça, une... De quoi tu parles? Mais tu sais bien quand la femme donne... Sugar Mommy? Oui, c'est ça. Sugar Mommy. Sugar Mommy. Eh oui, voilà. C'est une blague. Rita, sans rire, vraiment, je suis maudite, ma vie est fichue. Ah, Dana, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Moi, je suis ton amie. Je sais bien, mais... Parfois, je me sens tellement... tellement triste de ce qui se passe entre mes parents. Mon papa m'appelle pas, il s'en fiche de moi. Et la situation avec ma maman... Tu sais quoi? Oublie ça, Rita. Ne te mets pas dans cet état, ça va aller. Tu ferais mieux de regarder la vidéo de danse que tu as faite à la maison. T'as encore plus d'abonnés maintenant. Attends, je vérifie. Ah oui, c'est super. Et t'as vu que la plupart de mes nouveaux abonnés sont des garçons? Grâce à moi, tu as encore plus d'abonnés. Ok, mais pour être sérieuse deux secondes. Je pense vraiment pouvoir être l'une de ces influenceuses qui donnent des conseils de vie et tout. J'en suis sûre. Dana n'est pas là? Elle est... punie. Oh la pauvre, elle ne va pas dîner? Oh, ce n'est pas grave. Elle ne va pas mourir pour avoir raté un repas. Et d'ailleurs, puisque tu viens dîner avec nous et que tu sais tellement de choses sur ma famille, pourquoi ne pas nous parler de la tienne? De ma famille? Oui, parle-nous d'eux. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Est-ce qu'ils viennent d'une ferme ou d'un village? Eh bien, mes parents viennent de la campagne. Et mon père et mes frères travaillent dans... Ils font un peu de tout, finalement. Ah, comme homme tout à ça. Tout faire. Oui, la plomberie... Waouh! C'est fou, ça, des gens du petit peuple qui réussissent à sortir de leur misère. Quelle histoire! Oliver, tu veux pas te taire, s'il te plaît? Je veux dire, même si je viens d'une famille pauvre, je suis la première à avoir terminé le lycée et je suis aussi la première à faire des études supérieures. Non, c'est pas vrai. Bah, tu dois être fière. Oliver, laisse Marie-Louise nous raconter et nous inspirer avec son histoire de développement personnel. Ah. Non, je pense que j'en ai déjà assez dit. Vous devriez plutôt me dire comment vous allez. Vous avez déjà un travail ou du moins vous cherchez pour pouvoir nous inspirer avec une belle histoire de développement personnel. Et avec sa main sur sa taille, cette dame m'a dit qu'elle vivait une histoire d'amour avec Eric. C'est injuste, ça, maman. Tu aurais dû me le dire à moi en privé, pas devant papa et Renata. Non, je le dis pas pour faire des commérages. Je le dis parce que nous sommes une famille. Et je ne peux pas te laisser te trémousser à moitié nue et faire l'escorte pour toutes ces femmes. Faire l'escorte? Non. C'est vrai que c'est tout à fait décent. Cet imbécile a plus que besoin qu'on lui dise les choses comme elles le sont en vrai. Tu es un gigolo. Papa. Papa, ce n'est pas la peine de me dénigrer comme ça. Tu veux quoi? Que je t'applaudisse? Certainement pas, non. Ta sœur se démène comme une folle depuis qu'elle est petite, à étudier, à travailler. Et toi, tu veux gagner ta vie en enlevant tes vêtements? Eh bien, c'est trop tard, papa. Je suis ton fils et tu peux me traiter de tous les noms, mais je suis quand même la chair de ta chair, alors tu dois l'accepter. Parle-moi sur un autre nom. Ça suffit, Camilo. Calme-toi, calme-toi, papa. Arrêtez, c'est pas en criant qu'on va régler quoi que ce soit. Non, Renata. Il serait temps d'arrêter de se voiler la face. Qui sait ce qui se serait passé si la fille biologique de papa et maman avait été à ta place? C'est vrai, quoi. Vous pensez qu'elle aurait été aussi brillante que Renata ou aussi inutile que moi? Figure-toi que je me sens beaucoup mieux. Tu ne veux pas m'écouter et rester assis un moment? Je fais exactement la même chose que toi quand je t'ai dit de ne pas enquêter. Tu cherches quoi? C'est mon nouveau responsable, Alonso. C'est lui qui a remplacé Javier Mascaro. C'était censé être temporaire, mais ça pourrait changer. Et pourquoi ça? Parce que j'étais censé être le prochain sur la liste. Mais comme Lisandro m'a fait comprendre qu'il pensait que j'étais un opportuniste... Mais alors, pourquoi est-ce que tu te renseignes sur cet Alonso? Je veux m'assurer qu'il est bien ce qu'il prétend être. Tu sais, dans cette entreprise, il y a des employés avec de fausses identités. Non, c'est pas vrai.
Je n'ai jamais vu cette interview auparavant. Vous faites la fierté des femmes et du Mexique. Regarde. Merci beaucoup. C'est ma collègue, celle qui a été surnommée Miss Infidèle sur les réseaux. Elle a l'air très amoureuse. Apparemment, elle a aussi volé le projet d'Alonso. Mais elle dit que c'est lui qui l'a volé et qu'il l'a fait breveter à son nom. Oh, quelle coïncidence. C'est comme ce qui est arrivé à ton père avec Lisandro. Peut-être que la jeune femme est innocente. Tu ne crois pas? Bon, je vais dans ma chambre. C'est la première fois de notre vie que nous avons une telle discussion. On ne peut pas laisser cette histoire détruire notre famille. Ça, dis-le à Eric. Si j'avais su, je n'aurais rien dit à propos de la discussion que j'ai eue avec cette dame. Je sais pas quoi te dire, maman. Je veux plus en parler. Je ne veux pas minimiser l'importance de ce qui se passe avec Eric, mais il est très clair pour moi que le fait d'avoir découvert que j'ai été échangée avec un autre bébé à la naissance est quelque chose qui nous affecte tous. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais quand même, l'une des choses qui fait que nous sommes une famille soudée, c'est le soutien inconditionnel qu'on s'apporte mutuellement. Et que vous l'appréciez ou pas, ce qu'Eric a fait, c'était pour nous aider. Écoute, Eric, tu n'es plus un petit garçon. Tu es un adulte. Et je n'accepte pas que tu ailles dans cet endroit pour vendre ton corps. Écoute, papa, la vérité, c'est... Non, attends. Si tu prévois de continuer à travailler là-bas ou à voir cette femme ou d'autres femmes comme elle, tu devras trouver un autre endroit où vivre. J'ose même pas vous regarder dans les yeux. Déjà, je n'aurais pas dû vous emmener, ton père et toi. À cause de moi, tout va mal. Oh, maman, s'il te plaît, ne t'en veux pas. C'est la faute de personne. J'aimerais que tu n'invites pas cette petite à dîner avec nous. Nous ne venons absolument pas du même milieu. T'entends ce que tu racontes, maman? Quoi? Tu peux pas être aussi rigide et ne me dis pas que ce sont les valeurs avec lesquelles tu as évolué ou ces stupidités quant au fait qu'on fait partie de la classe supérieure. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais on n'appartient plus à cette classe sociale. Oh. Eh bien, j'ai été élevée ainsi. Et s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie en parlant de notre vie à Puebla. C'est déjà assez dur comme ça, surtout maintenant que je suis au chômage. Arrêtons de nous disputer. Tu sais ce que je pense de tes opinions, mais c'est simplement que je ne veux pas que tu sois triste. Et pour t'encourager, je propose qu'on achète des choses pour la maison. Et pour dépenser moins d'argent, on pourrait peut-être chercher des meubles d'occasion sur Internet. Quoi? Tu veux dire des meubles usagés? Oh, je t'en prie, comment peux-tu avoir des idées comme ça? Tu penses vraiment que ton frère, ta sœur et moi allons utiliser un meuble qui est déjà passé entre les mains de je ne sais qui? T'es sérieuse, maman? Quoi? Est-ce que t'as l'air de vivre dans le luxe? Accepte le fait que nous vivons ici et apprécie ce qu'on peut s'offrir. Le reste, on s'en fiche. Mais si ça te plaît pas, alors oublie ça. Oh non, non, Ulysse, attends. Tu sais bien que... Eh bien, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'achat, mais bon, s'il n'y a pas d'autre moyen, je ne dirai rien. Nous allons faire les choses comme tu le dis et merci d'être patient avec moi. Maman, je veux juste t'apporter mon soutien. Sois pas trop négative, tu sais, on peut trouver des meubles quasi neufs. Simples, mais beaux. Et puis, ce qui est important, c'est que l'appartement ait l'air très différent. Et comme ça, tu pourras surprendre Oliver et Dana. Oui, je suis d'accord. Et bien que rien que de penser à mes anciens meubles me donne vraiment envie de pleurer, mais... Maman... Je vais voir ça comme un nouveau défi. Ça te va? Mais comment allons-nous payer? Eh bien, je peux demander à ce que l'agence me fasse un crédit et je les rembourserai plus tard. Et puis, quand tu auras trouvé un nouveau travail, on verra pour d'autres achats. Le type a bien des comptes sur les réseaux sociaux. Mais il les a mis en privé, c'est un lâche. Que peut-on attendre d'un Mexicain blanc à qui son papa a tout donné? Il a dû consommer absolument toutes les substances qui existent.
Dans leur enfance, ces jeunes prétentieux ont seulement appris à dépenser l'argent. On ne leur inculque pas les valeurs. Même son père s'est déchargé de ses bavures. Je connais le plus jeune des enfants d'Arturo Valencia. Nous sommes amis. Comment s'appellent les enfants d'Arturo? J'aimerais entrer en contact avec eux. Je ne peux pas vous les donner pour l'instant. Donne-moi ton numéro de téléphone pour que nous puissions parler de vive voix sans avoir à chatter. Tu fais quoi? Rien. C'est des choses personnelles. Ouais. Je peux pas faire des trucs privés? Ces affaires privées impliquent des filles, non? Hein? Apparemment. C'est bien. Comment t'as deviné? Ce serait mieux que tu sois aussi investi à l'université et sur tes études plutôt que sur Internet. C'est vrai, t'as raison. Crois-moi, demain j'irai à la première heure chercher une filière qui inclut des cours sur les fauteuils roulants. Ça te va? Je veux pas que tu me fasses la morale et que tu me sortes un de tes monologues à rallonge parce que j'ai sommeil. Mais tu peux y aller, hein? La sortie est juste là. Juste là, tout droit. Merci. Et à droite. Voilà. Écoute, l'homme qui m'a proposé de venir est enfin... Tu vois, il est vieux. Et l'autre, c'est un garçon, il est en fauteuil roulant. D'accord, mais il y aura quand même trois hommes. Fais quand même attention, tu l'as dit à ta tante? Non, je ne l'ai pas encore prévenue, mais de toute façon, je pensais l'appeler dans quelques jours. Non, je t'assure. Tu sais comment il s'appelle? Le grand, Dario Valencia, c'est le frère aîné. Ensuite, il y a l'oncle qui s'appelle Eusebio, qui est vraiment cool. Et pour finir, nous avons Rodri, qui est le plus jeune des trois. Celui en fauteuil roulant? Il a à peu près l'âge du lit. Exactement, il a l'âge du lit. Et en parlant de ton petit ami, comment ça va avec lui? Bien. Tout va très bien. C'est juste que des fois j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent. Juste avant de commencer à sortir avec Dimi, parce qu'on s'aimait vraiment bien et tout ça, eh bien des fois je me sentais vraiment mal, je déprimais parce que... Bah, je me souvenais de ce que j'avais vécu avec l'autre gars et ce qu'il m'avait fait, tu vois. Et... Bref, c'était dur. Un jour tu me raconteras ce qui s'est passé? Le jour où tu me raconteras toute l'histoire. Comment ça? Comment ça? Oh, je vois pas de quoi tu parles. Ah. Ça se voit des kilomètres que toi, t'as aussi vécu des moments difficiles dans ton village, avec ta famille. Si je t'en ai pas parlé, c'est pas parce que je te fais pas confiance, c'est juste que... Je suis pas prête. Mais quand tu te sens prête, dis-le-moi et je serai là. Je te le promets. Il est temps d'en finir avec les préjugés et les stéréotypes, car nous méritons tous le même respect. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso al respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso al respetar.